les artistes on jarama on beltanama mi salmini mon mi hofni mon goto goto. Cet message vient de moi, Abdou Poulaoui, et c'est la part des artistes, les artistes yimobe kubarolo ummi diga hammin Abdou Poulaoui dum mi wadi ngol bo spécial je yimobe on fumon comme il faut dinam ak to naniam do comme il faut dinam a cappella taw nenta nana message do pour que et mon aïe de fier et de joie et dans la joie et de jala. Donc, et mais ça se termine par la tristesse. Et yimobe ami foot ira yimobe full full day Cameroun ou bien tout le monde jamaja onon kam enen yimobe what queen hiritai day en héritable et on a tamen ha fofo se amo bredona ha babal fofo be yonatae be via ware yime se ha babal mobre babal se yo woni be via men ware yime donc ça veut dire que den ka holli ha babal je se yo woni je donc on veut dire que la musique c'est pour la joie quoi, la musique c'est pour rendre fier pas pour rendre tristesse, pas pour provoquer, pas pour insulter ni menacer. Holi musique kam ha tawi himbe do ma fu be do sey yon hala do wama ni be do metini kam wala ha tawata ko be do wama ha babal je fofo woni ha tawata ko be do wama ha accident woni ha tawata be do wama ha babal je kon wadi se ha sey woni on be yonata yimo be wara yima to ko de nen boyi mo be en wartiri musique kam dum je habre en do haba der musique ko wadi. C'est pas normal ça. Gonga mo wol watade na ndu haba der musique. Warti ko moy fu ko 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 nyu ngon ngati dum via se yawta musique. Ko ya hin der la de di do nyaanyaaro rufi dum via se yawta musique. C'est pas normal ça. Musique do dum je hunde on je anana vela ma ha a yejita susiji ma fere. Den en warti di musique on je to anani ni berne ma halliti warti soit don wany goddo dalla musique soit bo musique holla ma idée fere je wala no hama sam na en vonni musique jamaji enen yimo be en vonni musique surtout ma himbe woyla surtout bo himbe ngawndere en vonni musique ate je gal côté ni kam min do acha Côte d'Ivoire kam ha gal to ngam Côte d'Ivoire on musicien ma be burna padi di kudi on lesa Jemen ha Cameroun do en vonni dum nous avons gâté la musique complètement. La musique c'est pour rendre fier, la musique on t'appelle quand tu as la joie, quand il y a une cérémonie, quand c'est tout ça. S'il n'y a pas la guerre on dira pas d'appeler un musicien, s'il y a toujours le deuil on n'appelle plus le musicien. S'il y en a, même quand on bagarre, on arrête la musique parce que la musique ne donnera rien là-bas. On l'a dit, exprime la colère et dit la colère de la musique. Ce n'est pas normal. Femme, je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Tant pis. Anani anaftirai tampi. Ananai dikadanaka. Voilà, c'est ça. Donc, on garde la musique pour la joie, s'il vous plaît. Ne gâtons pas la musique. On est rendu la musique comme la guerre. On se bat dans la musique. Moyimifu, halloube tufiam, halloube jamiam, on mayan, on wadani, on wadani. Alors que te rendre face en face, c'est difficile pour toi. Donc, on laisse l'affaire là. Naudi ma ka jema ma beldi ma je on je himbe fu. Donc a resa colère ma wara wala himbe beldi ma min habde min hudi la be man kadi colère je abin ma ti ma wara waddi je ma ka dum na fiya min jamaade. Voilà, c'est comme ça. Un jour le rafle m'a pris.
C'était les policiers 117. Ils m'ont pris à 23 heures. Ils m'ont mis dans leur pick-up. Je vous dis, moi, Abdou Polo. On est en train de marcher avec leur pick-up. Quand on arrive à un certain endroit qu'on peut prendre des gens, tout le monde me reconnaît, tout le monde me remarque, m'appelle avec mon nom. C'est là qu'un policier me demande, toi tu fais quoi dans la vie pour que tout le monde te connaisse comme ça? J'ai dit, je suis un artiste et je suis dans mon territoire, donc tout le monde me connaît. Je leur ai présenté mon association d'artistique. Il me dit que le musicien, vous représentez un danger public. J'ai dit, bon, et comment? Il dit, vous représentez un danger public. Je lui ai demandé pourquoi il a dit ça et il m'a expliqué. Et c'est maintenant que je viens de savoir que ce qu'il m'avait dit, il a parfaitement raison parce que si tu es un artiste, tu auras beaucoup de monde derrière toi. Si tu dis quelque chose, il répète exactement ce que tu dis, il pratique ce que tu dis, alors que une autorité ne peut pas leur maintenir comme ça. Donc, si tu es un artiste et tu fais du bien, tes fans vont faire du bien. Si tu fais de mauvais songes, tes fans vont faire tout du mauvais songe. Donc, ne gâtons pas la musique, les musiciens, ne vous gâtez pas pour rien. Cherchez votre argent et laissez le reste au gouvernement. Merci beaucoup.